masque qui va avec, ça c'est important. Et si vous avez des casques escamotables, il faut bien sûr rouler, rouler fermé. No, man.
Messieurs les vainqueurs de la catégorie GT 24h Jean-Pierre Jouve 2017, 8e position au scratch. Félicitations en tout cas, bravo à vous. 3e marche du podium et 11e au scratch de la catégorie GT de cette édition 2017. C'est un soleil de plomb. Merci messieurs en tout cas. 3e position avec ce numéro 1.
Bon alors, cette quatrième édition des 24 heures Jean-Pierre Brosseau, beaucoup de changements par rapport à l'année dernière. Ah oui. Soleil, c'est fatigant. Mais je me rappelle une époque au 24 heures du Mans où on a eu la chance d'avoir, en 78, du soleil tout le temps. Ce qui fait que dans un habitat où on est à 50-60 degrés, avec une combinaison, la cagoule, les sous-vêtements, le casque, eh ben, c'était un peu dur à supporter, mais bon, moi j'y arrivais bien. J'ai perdu 3 kilos à la fin de l'épreuve, bien que j'ai fait 12 repas pendant 24 heures. Et mon copain, qui s'était battu comme moi, comme un chiffonnier, Didier Pironi, il a perdu 7 kilos, il était HS à l'arrivée. Il est tombé, il a passé la ligne d'arrivée, il était dans les pommes. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des conditions difficiles, sauf qu'effectivement nous on était en aéré, on va dire, même sous nos casques, mais bon, c'était quand même bien plus agréable effectivement que la pluie de l'année dernière. En tous les cas, c'est une belle épreuve, ça s'est bien gentiment chamaillé, mais proprement. Voilà. Moi j'ai pas vu de choses anormales. Non, moi non plus, c'était en piste, c'était un régal. Moi quand j'ai fait mes relais, j'ai rien vu de moche. Et non, c'était vraiment sympa. Une belle. Bon, mais c'est sympa. Et puis en plus de ça, quand, tu vois, on a à la fin tous les équipages qui montent sur le podium. C'est que tous, ils te disent merci. C'était chouette, merci. Ouais, c'est vrai et merci. Sympa. Et merci à ton fils, bien sûr. Parce que les chiens font pas des chats. et. La différence, c'est que personnellement, au niveau d'une organisation comme ça, j'étais vraiment incapable. Bon, il y a une nuance terrible entre être capable de tourner un volant et d'essayer de faire en sorte que ce que vous faites, ça fasse plaisir à beaucoup de gens autour de vous. Et par contre, organiser tel que c'est fait ici, à Mer, sur cette piste fantastique, ça c'est à mon fils qu'on doit, et là, chapeau. Oui, mais il y a une belle équipe aussi. Le circuit qui est quand même très, très efficace, sûr, très, il faut très opérationnel et qui aime la fête. Et les 24 heures, c'est une fête. Donc voilà, la fête a été réussie. Et bah, on va vous donner rendez-vous pour l'année prochaine, forcément, hein, pour les 24 heures Jean-Pierre Jossot 2018. Ouais, ce qui est embêtant, c'est qu'on est obligé de changer les couvertures tout le temps. Hein. 2014, 15, 16, 17. C'était la quatrième édition. La 18. Ça sera la cinquième l'année prochaine. Voilà. Et on espère qu'on vous y retrouvera nombreux et avec une aussi bonne ambiance en piste comme en dehors. Ça, c'est voilà. Vrai. La convivialité, du fair play et puis des cadeaux avec tous les partenaires Jossot Evans qui ont offert de superbes cadeaux à un pilote dans chaque équipe de la 24 heures, donc c'est quand même bien sympathique. Oui, d'ailleurs, les sponsors, ils peuvent se présenter, on n'a pas peur d'eux, bien au contraire, et ils peuvent se présenter sachant quand même que c'est vraiment apprécié, les cadeaux qu'ils font, et sont mérités. Et on en parle en tous les cas avec tous les pilotes qui étaient là, et qui, j'espère, aussi viendront les rencontrer, pas seulement uniquement parce qu'ils ont gagné un cadeau, mais aussi parce qu'ils ont appris leur connaissance, leur existence, et puis ils ont envie de faire un stage de pilotage, s'acheter un nouveau casque, faire une peinture de casque, etc., etc., comme les partenaires que j'avais aujourd'hui. Voilà. En tous les cas, merci à tous encore une fois, pilotes, accompagnateurs, partenaires, et puis j'espère à l'année prochaine vous retrouver tous en piste, et en attendant, portez-vous bien.